www.tolobelavie.com. TOLOBELAVIE.com. Chers compatriotes et très chers abonnés, bonjour et bienvenue sur Tolo Belavie officiel. Merci na fidélité Nabino, merci na confiance Pena Bolingo. Oyo boza kolakisa à travers Tolo Belavie, surtout la disponibilité Nabino. Merci également à base base Penza en tout cas. Togo le katé sans pour autant Tolo ba to pesa, ça dit to tanga ba kombo base. 4 fois prêtre Washington, le grand pays naminique, Woumela Penza, parce que sans yo mawatro. Merci à notre réalisateur Steve Malungwene, Mita Mitador Malumbi, système à Kung Fu, Oya Salom Rock'n'Roll, parce que Bango Bazoko Makakate, Yango Tozo Sale Fort, Batouba la Mukaba Koma. Je crois que vous avez là, Toza Penza, na Libanda ya France, Toza moi Libanda, mais. Souci na biso ezala chaque fois to le kakabuye pour to meka kosola na bana Congo kozali bande ngela accepté kendo mid banda boye o tika ko informer baninga te donc de quoi to sito pona yango partout to kozala il faut que to le kakabuye to meka kosolola na bana Congo. Voilà sango ya mawa la combattante Monique Kitoko n'est plus yazali combattante o ya bundeli parti ya IDPS mingi abundi mingi mwana mwasi oyo Monique Kitoko na moni vraiment batu bazolela ye donc lelo ndeko nabisa mwasi on n'est plus mais témoin moko azalaki place makambango salamaki comme ko tanga ngo quelque part to moni ndenge témoin wana alobi. Alors nous voulons vraiment savoir alors, que s'est-il passé au juste? Et là, on a dit que Memi a dit Monique Kitoko na liwa. Babi Monique, Balobi Monique, Monique Kitoko a beta ki tour, a leka ki po ape sa, Jean-Marc Kabound, Wakabound, Mbote, na biro na ye. Tang wakomi, a vandi, ba zelis yendenge za la rakaka, zela. Comment combo noto kotisa après Zela. Il peut a commis combo a vendi azo Zela. Pour comment un système au gros comment peut bongo même conjoint mon année yote. A commis peut combo na vendi azo Zela. Ba combo bande kota ki et bi maraté. A oumeli. Banda ya kiwana azo aye ko luka mu konzina ya i de pesa pesa imbote mais talakaka protocole. Alors on allait s'allier, tant on allait s'allier, abimisi morceau ya pain, nakati ya sac nae, poalia. Tant la bandi kolia, ba photographe bazaragawana, boi ba photographe bazaragawana. Abengi photographe moko epsi alobi, oko kanga photo te. Photographe ana epsi alobi, pourquoi pas abi oui kanga photo ya souka, oh, photographe ana obi oh. Là quand on photo à souka ndenge ni habitant quand on photo à souka parce que tam susu ils a photo à souko quand la journée pour rendre bazar au loba pour rendre témoin au azo loba du coup photographe on a kangié photo un moment ba Monica kamuta kwei abandi kolela ba memie ba bengi ça dit ambulance ça la raté boyebi déjà ba policier baye. Ba koti siye na fula fula. Ba memiye na fula fula. Ba kena ye. Tina hôpital ya cinquantenaire. Place ndeko yo. Akende ko zong sa mouli mo pa yankolo. Alors. Que son âme repose en paix. Te présente vraiment ba condoléances na biso. Na famille ya Monique Kitoko. Te présente ba condoléances na biso. Mais. Te tol bagay lo romogo. Atoko mukonzi yeba ke ozala kape na ba pirio ozape na bato bo beta na bango dame na bato beta na bango bill ozape na bato bo sakana na bango ozape na bato bo kola na bango na bomwana donc soki okomi mukonzi c'est vrai faut protocole azala mais faut vérifier kape
Les abattus musu tam su pas go ou mais la wanate tam susu il y a les cas qui peuvent appeler ça n'importe selon y pas ben les cas pour appeler ça n'importe na les babi système moi comment la qui n'est pas mon amour coïncident c'est dit ça bah si bah fini bah fini y a quoi de homona bah pasteur musu su bah on va go bimisa ben district bête industrie moro boy net c'est que bima bina que non pour habi que soka qui on a beaucoup de ça été en zo bouton. Voilà, donc ce tout ça le moins fort. Il y a Koye Bapère Mokeno Muto Azaza pena batuna za pena ba master na ya pena ba pirier et aux amala mingi. Tole ki na biso yango. Jean-Pierre Bemba a très bientôt aux za na kata Kinshasa. C'est bien confirmé. Mais Balobi Bemba il faut une tente d'isoler Katumbi au sein de la Mouka. Bazako isolé, on dirait bazako isolé Moïse Katumbi. Bazako lango bongo pona nini. Est-ce que za bongo? Moïse Katumbi annonça qu'un retour na yena Kinshasa a yakipe, mais Martin Fayulu a kende ki koyamba Moïse Katumbi te. Mais, et puis a mobilisa ki pe batu penzate. Mais to moni, tangu oyo, Jean-Pierre Bemba a annoncé retour na ye Moïse Martin Fayulu yé mon repère confirmé le bien aux alakout na tarmac a koya vraiment koyamba mwana mboka Jean-Pierre Bemba quelque part au moins que Moïse Katumbi a accusé déjà ba dire à Moïse Katumbi et c'est peli saki et belé ya batu oyo bazana la mukati Martin Fayulu a qui silence. Mais ils ont l'accès à un acte. Nous sommes ça qu'on le battait mais à poser acte. Moni a lobby. Tous en ont. Toi la bino yango bolanda nanu. Après tous onga. Tous solamuke. La délégation conduite par le secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo et coordonnateur provincial de la Mouka Kinshasa, Fidel Babala Wandou, a été d'abord reçue par le président Martin Fayulu ici à l'hôtel Fadenehaus dans la commune de la Gombe. Martin Fayulu, très flatté de cette visite, estime que le retour de Jean-Pierre Bemba sera une occasion pour renforcer le combat pour la dignité du Congo et de la vérité des urnes. D'où son appel aux Kinoises et Kinois de se mobiliser massivement le dimanche 23 juin prochain pour accueillir le président national du mouvement de libération du Congo et l'un des leaders de la Mouka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Officiellement, les membres du MLC, membres de la Mouka, viennent de m'informer, mais Jean-Pierre Bemba Gombo lui-même, en tant que leader de la Mouka, co-leader de la Mouka, m'a déjà informé. Et ce que j'ai à dire ici, c'est de dire à toute la population quinoise de ne pas manquer cet accueil. Nous devons tous, ce dimanche 23 juin, aller à l'aéroport de Ndjili accueillir Jean-Pierre Bemba Gombo. C'est une fierté pour nous de voir que cet illustre fils de ce pays, ce digne fils, rentre ici pour ces combats de la Mouka. Les combats de la dignité du peuple congolais, les combats de la vérité des urnes, les combats qu'il s'est donné. Jean-Pierre Bemba a passé 10 ans en prison, inutilement, pour la libération du peuple congolais. Et d'ailleurs, son parti s'appelle Mouvement de Libération du Congo. Il rentre ici pour libérer ce pays, pour que nous tous, nous nous mettons ensemble, main dans la main, pour libérer le Congo. Parce que là où Kabila a placé les Congos, donner les Congos entre les mains de quelqu'un qui n'a pas été élu, donner les Congos entre les mains des députés, des sénateurs que le peuple n'a pas choisi, nous ne pouvons pas accepter. Donc, dimanche 23, tous, moi le premier, je serai sur le tarmac l'aéroport de Ndjili pour accueillir mon frère, leader de la Mouka, Jean-Pierre Bemba Gombo. Avec Adolphe Mouzito, la rencontre s'est déroulée au cercle Elaïs de la Gombe. Et comme Martin Fayulu, Adolphe Mouzito a aussi invité les Kinois à réserver un accueil digne à Jean-Pierre Bemba. Narosenga, en tant que Mokuya, en tant que l'un des leaders de la Mouka, je demande un des six leaders à la Mouka, Narosenga, que Bana Kinshasa. Tous les Congolais, tous les ressortissants du Congo central, Kinshasa, Bana Yaba Congo, Congo central,
bana ya bande zinga zinga équateur boye baké moko na biso mokonzi munene Jean-Pierre le grand leader Bemba, Jean-Pierre Bemba Gombo Azuya le 23 juin ligne à Saboyo Kiango à travers ma radio na télévision moko mokonzi munene azako ya pona ko soutenir combat oyo. Il y a vérité des urnes. Il revient pour les pour combats peuple, de la vérité des urnes. Il y a une revendication. Il y a une élection, ce qui est salémi. Le peuple doit savoir que demain, ce combat que nous menons, ce peuple est moins relié. Pour moi, il y a une élection le 30 décembre, il y a une exprimé une vérité. Il y a une élection. Il y a une élection. Il y a une élection. Le 23 juin, pour soutenir. Et Bitumba Otozanango, le président élu Martin Fayulu. Les réactions de Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont été appréciées à leur juste valeur par la délégation du mouvement de libération du Congo. L'unité est là, vous l'avez senti. Vous avez senti le président élu parler, vous avez vu le premier ministre parler. C'est-à-dire pour eux, ils tiennent mordicus pour la vérité des urnes, ils tiennent mordicus pour la correction du processus électoral. Le MLC devra rencontrer d'autres leaders de la Mouka dans les prochains jours. Je crois que Binomoko Bolandi, intervention à Batalamouka, et puis intervention à Martin Fayulu précisément, Ndenge Yemoko a précisé qu'il y a Gozalawana sur place, et a confirmé que Yemoko a Gozalawana. Ça dit, bah, opposant Fobosal à la vraie opposition. Quelque part, si le peuple a Golemba Bino, attends ta peuple Bino Boye Biango. Attends ta peuple Bino Boye Biango. Et puis peuple aza mystique. Peuple congolais ka yona obetelo maboko ka yona pe mon pas fa changer esprit. Toza ko senga na ba na si leader à la Mouka boyokana. Boyokana nanu. Bolax exemple malamu. Mais so bo comprendre ka mutu mo azo ki ne bien te faut ko chaino libanda. Pour aventure oyo peuple ne mutazo continuer ce que vous souffrir bino ça aventure na bino vous allez bien et tout mais peuple ne mutazo souffrir alors ce moment que mutu mo tambola bien taza déjà na ba na ba faux boule il faut que tchai libanda kaka c'est mieux voilà to le ki na biso biso to lobara chaque fois ce qui li kambo ezali to lobango ndenge oyo ezali et puis changement ezati. Affaire à diamant. Posa likambo yo nanu silité. Bon mona ki ndeba ki ndeko toka la mer mende na ndaku na ye. O ye moka miko lo bakye. Ba respecter immunité na yete. Po ye tanga kangisaka ni monde entier mitanga kangisaka Frank Diongo. Makamba immunité on les a ki kututi. Mais le loyo na tour na ye komi. Il faut batuba mona makambuana. Bato luki diamant la bonna passi ba yenango na Kinshasa avant ba yenango ba kenana na ba comptoir kuna ba vérifier ki ezala ki vrai diamant makambu nyoso tout ba vérifier ki tout tout était OK mais diamant wana komi na Kinshasa tango komi na Kinshasa ki no diamant tango kotika na makambu pa eli moza su diamant alors Basile Longo, Abara qui n'a makambo tina souka. Lambert Mende Abaki n'a porté plainte. Mais na tiel la bino boyo ka bino moko bato ba outi. Bisiko diamé outaki. Boka vérité à diamant. Est-ce que ça qui diamant à solo? L'affaire du diamant de 87 carats du Sankourou, on en parle encore. Ce lundi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, ad interim Basile Longo Pongo, a reçu la délégation provinciale qui convoyait ce dit diamant pour en savoir plus. Conduite par Pierre Wembo Olamba, ministre provincial de Mines et Bidier du Sankourou, cette délégation constituée du ministre des Mines, de l'administrateur du territoire où le diamant a été attrapé et l'officier supérieur de la police a donné sa version des faits au VPM Basile Longo Pongo en rapport avec la situation en question. Oui, l'objet de la visite, on a été invité par le VPM pour lui rendre compte et lui dire ce que nous savons du diamant. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que les discussions sont en cours et que nous, la mission ici à Kinshasa, c'était de venir accompagner les diamants
tel que nous a, ça a été défini dans notre ordre de mission. Et voilà. Non, il a voulu savoir un peu plus sur ce qui s'est dit à la cité, la version que nous détenons, que nous avons, la vraie version des faits. Parce que depuis que nous sommes là, on ne s'est pas encore rencontré avec lui. Et c'est maintenant qu'on vient de discuter avec lui. On lui a rendu compte, on lui a dit tout ce que nous savons. La vraie version, c'est que les diamants, quand on a pesé, quand on a fait l'expertise à Loja, ça donnait du diamant. Et arrivé ici au Centre National d'Expertise, on nous a dit que ce n'était pas les diamants. Voilà. Et nous, on a dit au ministre, c'est tout ce que nous savons. Et on peut savoir où se trouve le ministre, les creuseurs qui sont là. Mais ça fait depuis un moment, depuis mercredi, je ne l'ai pas vu. Mais en ma connaissance, il se trouve à la résidence de l'excellence Mende. Ne voulant pas présenter trop de détails, Pierre Wembo Olamba a promis des vérités après enquête. Rappelons que cette délégation qui venait avec le vrai diamant, devenu faux diamant aujourd'hui, après 4 jours, a été détournée par le jeune frère de Lambert Mende Omalanga au lieu d'aller à la présidence. Je crois bien que Bolandi, Boyoki, donc Zalaki Nango diamant à solo, mais Lambert Mende a jonglé. Tala niveau ya bateau yo ba kamba ki Congo ya lobby. Et bongo bata boye lobby bazonga lisusu. Tozana bango lisusu. Et gozala plus pur. Na minso na sona bino boye oncle ya mukolo diamant na zo mona te porté disparu. Ba trafic e bandi. Faut qu'on déboulonne certaines personnes. Il faut déraciner les antivaleurs. Comment mutuma komone la rabatu po ya comme chef quelque part. Atabino moko. Sikoyo confirmation en haut et tant ba kende na ngokuna ba tala ki ba contrôler ma mutu za ki diamant ya solo, ils a confirmé za ki diamant. Bakambo na Congo mona makam na Congo mo, c'est dire au mono monyo moniti plutôt continuer comme moi. Tolembi. Au moment que déboulonnement est important, très important déboulonnement. Bande konabiso nyoso bakufa pour la cause à Congo o ba boma bango to mona penda bakufa bako ke ndengwa na ti makila na bango e bando revendiquer makila na bango ando sala biso to loba kaka makila bande ko ya biso ando sala to loba parce que baza bande ko ya biso ba congolais. Merci bande ko bolandi biso de partout, restez connectés na tolo bela vie biso to saka wana soli soleye to koti to partager. Tolobé la vie. C'est une incursion de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Voilà pourquoi il devait saisir la structure qui régit ce problème. Et le ministre est venu assister à l'exposé de population. Donc, l'incursion doit être la même. Ben non, c'est-à-dire que nous sommes tombés sous le coup de feu ennemi. Le réflexe normal de tout militaire qui est sur son territoire et qui défend les frontières de son pays, le réflexe normal, lorsqu'il tombe sous le coup de feu d'un ennemi, c'est répliqué. Combien de temps ça a duré? Ben écoutez, je vous dis déjà que ces affrontements ont eu lieu dans les premières heures de l'après-midi. C'est ça au moins la précision que je peux vous donner pour le moment, mais du moins lorsque la hiérarchie de Kigali a contacté la hiérarchie de Kinshasa, nous avons reçu l'ordre selon lequel il fallait cesser les feux. Parce qu'il s'agissait bel et bien de l'armée rwandaise. Donc là, on ne se trompe plus sur celui qui a tiré sur le premier sur nos troupes. C'était bel et bien l'armée rwandaise. La frontière. Comme on n'a jamais traversé la frontière, c'est les Rwandais qui se trouvent sur le territoire congolais. Quand nos militaires partaient à ce point, puisqu'ils ont des coordonnées et ils ont des bonnes orientations avec des GPS, il n'y a pas un problème à se perdre. Les militaires partaient pour identifier qui se trouvent sur notre territoire. Et en arrivant là-bas, ils étaient tirés par l'armée rwandaise. Et ils ont tiré. Ils ont tué un militaire qui était avant et ils ont tué deuxième militaire qui était avant. Et nos militaires ont répliqué. Et ils ont frappé
jusqu'à tel point, nous on ne savait